mon regard sur la ville, il passe à travers les portraits. Les portraits de qui? Les portraits des personnes qui sont dans cette ville, les portraits des activités qui se font dans la ville, le portrait des rues, le portrait de tout ce qui est comme ambiance de la ville. Donc vous allez voir beaucoup de personnes que je croise en chemin au marché. J'ai fait le grand marché, j'ai fait les écoles, j'ai fait les rues, j'ai fait les femmes qui sont autour des portraits. Donc en fait, c'est vraiment la relation avec ma population, c'est la relation avec les personnes. La photo, c'est un métier. Moi, je n'ai jamais pensé homme-femme quand je pratique. En fait, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Parce que la photo, elle vous porte, elle vous prend. Elle vous prend du temps, elle vous prend de la concentration, elle vous demande beaucoup de temps de prise. Elle vous demande aussi de l'investissement, beaucoup d'investissement. Parce que la photo, ce n'est pas seulement, c'est pas seulement que cliquer, c'est l'appareil photo, c'est le bon appareil photo, c'est la disponibilité pour aller faire les photos, c'est apprendre la technique pour le faire. Et tout ça ensemble, au même moment, vous devez le sortir, l'exploiter. Et en général, dans nos sociétés, la femme, elle est souvent, il lui est demandé beaucoup de choses. C'est l'épouse, c'est la mère, c'est aussi dans la société, elle doit se comporter de telle ou de telle façon, elle doit être, on attend beaucoup de la femme. Et la photo demande aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que souvent on pense que c'est plus facile pour un homme de la pratiquer. Bonne fête à toutes mes sœurs, bonne fête, je suis heureuse d'être là. Mais à l'occasion de cette journée, moi j'aimerais juste dire aux femmes, ne vous arrêtez pas de rêver. Il ne faut pas laisser tomber vos rêves. Allez-y jusqu'au bout, accomplissez ce que vous avez envie d'accomplir. Vivez pour vous, faites vos propres choix et allez jusqu'au bout de vos choix. Ne vous laissez pas distraire. Faites ce que vous avez à faire.